Eh bien bonjour tout le monde, c'est Super Brioche, Siphano, Bonjour! enchanté. Eh, d'ailleurs, j'ai oublié de couper ma clim, ça te gêne pas? Pas du tout. Eh ben d'accord, alors. Garde, je m'en tamponne. Mais ok, alors, je m'en tamponne le sifflard. Très bien, comment il va? Clairement. Mais ça va. Il fait quand même moins chaud, hein, monsieur climatisation. Alors, bah non, pas ici, aujourd'hui il fait 30. Ok, bah je sais pas, ici c'est encore fraîcheur pour le moment. Ouais, gardez votre chaleur. Oui. Et voilà. Quoi de beau aujourd'hui? Faut qu'on continue. Donc là, on tourne un petit peu en avance. On a l'épisode 3. Ah ouais, mais tu sais. Mayday, là. Je sais pas si on aura tout fini, mais bon, va falloir farmer quelques creeps dans Tartar Truc. Ah. Il faut faire encore. On va y aller. Mais d'ailleurs, on va à Tartaros. Peut-être spawner. On va y aller, on y va. Voilà, il faudra finir. Alors on y va, on enlèvera les torches, vas-y. Alors, c'est quoi déjà les coordonnées de Tartaros? Je vais te trouver ça parce que je l'ai pas sous les yeux. Je clique sur la map. Vas-y. Et ça me dit, bien qu'on soit dimanche, ça me dit... Bien sûr. Moins 696. Oui. 128. 804. Oui. 804. J'y suis. Très bien. Eh ben faites votre vie pendant que je reproduis les vaches en prévision de faire du cuir. Ah non, mais tu viens m'aider pour les creepers, la dernière fois je l'ai fait et j'y arrivais pas. Oui, j'arrive dans 30 secondes. À peine, le temps de nourrir ces bovins. C'est bovin, c'est toi le bovin? Oui, de temps en temps. Ah toi, oui, toi t'as un bon bovin. Ah, il y a du... Surtout quand tu vas acheter des McDo et tout après tes lives. Ah putain. Ah, j'y vais pas depuis un petit moment là. Tu sais, le problème de pas être à portée, à pied... Ça pose problème, ça. Et il n'y a pas Uber Eats à Chalon? Non, il n'y a pas Uber Eats, il y a Just Hit, man. Il y a Just Hit, voilà, Just Hit, ils n'ont pas McDo? Ouais, non, ils font pas McDo encore, c'est con. Et KFC? Non plus, non, mais j'ai essayé les Just Hit. J'ai pris une pizza, du coup, mais bon. Moi, j'ai très bien. Ah, ouais, mais moi, je suis burger, quoi. Je suis clairement burger. Oui, Brioche, il faut savoir que c'est vraiment team à aller s'acheter un burger à Burger King à 23h, quoi. Ah ouais. Surtout quand on sort de soirée. Ah, mais ça, c'est pour l'absorption mec, derrière du toi. Fluide. Oui. Oui, tout à fait. Il y a 3 creepers ici. En fait, ça va mieux spawn ici. C'est parti. Génial. Quelle efficacité, on se croirait sur FK, encore une fois. Super, Nils. Génial. Génial pour la poudre de creep. Ah, il y en a plein en bas. Bah, viens m'aider. Il y en a plein, tu les vois là. Tu les tiens. Ok. Attends, vas-y, je l'ai fait. Même pas, il y a un objectif CD. N'importe quoi, tu vois, cette série. Non, il n'y en a pas. Franchement. Ok, je suis à 5. J'ai 5 gunpowder là, sûrement. Je sais pas combien on en avait à la maison. Oh, il y avait des fours là, j'ai jamais vu. Ah, bah oui, tiens. Dis donc. Il y a des trucs. Waouh, impressionnant. Y a rien. C'est génial. Y a rien du tout. Et là, ça descend aussi, t'as vu? C'est une faille, non? Y a un truc, non? Non. Mec, mais y'a rien du tout. Pousse-toi. Oh. Qu'est-ce que c'est? Non, mais y'a rien du tout là-dedans. C'est juste que ça a poussé. Mais attends, y'a vraiment rien, tu penses? On est content. Creuse, vas-y, creuse un tunnel, mais... Creuse un tunnel. Voilà. Et vois si les hyènes viennent. Bien sûr. Attends, y'a d'autres creepers là, j'y vais. C'est parti. Ah, mais au final, en fait, c'est devant Tartaros. Bon, y'a rien. C'est devant Tartaros que c'est plus intéressant. C'était the place to be. Ben ouais. Moi, j'étais allé dans Tartaros, mais... Mais je pensais que c'était moins éclairé que ça. Je pense qu'il faut aller en bas de Tartaros. Ouais, peut-être. T'es où, là? T'es où, là? Il est là. T'es où, là? Le fameux... Putain, tu sais qu'ils vendent, je crois, des pizzas ou quoi dans mais un... Mais oui t'as... Toi aussi, t'as reçu un tweet là-dessus. Ah, toi aussi? Ah, ben oui. On était cités tous les deux, je crois. On était cités tous les deux, Yvan. Je sais pas. Maintenant, ils vendent toujours des trucs. Théora de Koh-Lanta, évidemment. Je n'étais pas sûr que c'était vrai, tu sais, putain, c'est vraiment lui, ça? Bien sûr que c'est lui, bien sûr. Il s'est, ouais... Il s'est, comment on dit, là... Voilà, merci beaucoup. Je vais aller en bas, je tente. Je descends. Ça me paraît spacieux et... Ne me tire pas de flèche, hein? Hein? Non. Non, t'inquiète. Ok. J'ai une confiance aveugle. Ah, vous faites bien. Sauf que j'ai une bien meilleure façon de descendre que vous. Allez-y. Alors ça, c'est vous qui voyez, hein, si vous êtes du genre humide. Allez. Ah ouais, ça marche bien. Y'a Mass Creeper en bas. Mais oui, regarde ça, ouais, là, regarde la dernière fois, je me suis emmerdé en haut. Mais voilà, tu vois, j'avais la technique. C'est... Quand tu sais pas, oui, demande-moi. C'est toi qui l'avais, la technique. Mm-hmm. C'est sûr, c'est la fameuse. C'est moi qui filme, donc... T'as d'ailleurs, en parlant de moi qui filme... Oui.
Ça se trouve, c'est ce que tu voulais me dire, mais il n'était pas question de faire une série de ton côté, ou c'est toi qui filme du coup? Alors, je t'en ai parlé à la fin du dernier tournage. D'accord, donc c'est donc ça. D'accord. Pas de soucis. Ça, j'arrive pas à les creepers là. Je t'en ai parlé à la fin du dernier tournage. Et voilà. Mm-hmm. C'est tout en fait. Non, c'était un. Ok, très bien. Il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet, Super Voyage. Non, je ne souhaite pas partager plus. Je garderai le silence. Exactement. Mais après, il y aura sûrement des projets, effectivement. Ah oui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Oh, sauf quand les gens ne viennent pas à la Gamescom. Oui, alors ça, par contre, alors c'est connard, là. Incroyable flemmard qui, tout le temps, non, je viens pas. Le mec, on lui installe tout sur un plateau d'argent. Et non, flemme. Alors que tu avais dit en vidéo, d'ailleurs, que tu viendrais. C'est vrai. Je n'ai pas d'excuse. Je n'ai aucune excuse. J'ai envie de te dire, il est encore temps de changer d'avis. Le train est demain, la Gamescom est mardi. Et en plus, on aura des vidéos d'avance. Laissez tout tomber. Vous aurez des vidéos d'avance. Tu sais que mon... Comment j'ai même proposé à Brioche de faire des vidéos pour sa chaîne une fois qu'on sera ensemble. Silence là-bas, il ne rajoute rien. J'ai besoin d'un mental d'acier pour le projet Glaçon. Le truc en Islande. D'ailleurs, il y a Chell qui m'a envoyé. Elle m'a dit, t'y vas au fait ou pas? Finalement, je suis, non, j'y vais pas. Oh, fuck. Mais en fait, je crois vu qu'elle a peur de l'avion. Non, mais en fait, vu que Chelsea a peur de l'avion comme moi... Vous pourriez vous soutenir. Hein. Mais non, en fait, elle voulait qu'on se fasse une croisière pour qu'on y aille en bateau. Ah putain, elle m'avait parlé de ça une soirée. Hein. Putain, il y a une witch qui m'a balancé un truc. Mais du coup, je crois que je vais en convention. C'est quand déjà? C'est bientôt. Hein. C'est début octobre, il me semble. Ouais, je serai en convention, donc impossible. Uh-huh. J'ai du diamant. Tu vois, pour une fois que j'accepte quelque chose d'assez gros en plus. Hein. Ouais, je suis pas là, quoi. Ouais, voilà. Ça se trouve. Peut-être que les complotistes diront que je souhaite simplement que tu ne sois pas là. Oh là, attention! Il me reste un demi-cœur. C'est bon. T'as de la bouffe? Attends, il me reste... Oui, j'ai de la bouffe. C'est juste que j'avais une witch qui m'avait fait mal. Ouais. Ouais, c'est peut-être tu viens quand je suis pas là. Exactement ça. T'as combien de gunpowder? J'en ai précisément 6. J'en ai 8. On n'est pas du tout efficace. Non, c'est naze. Je sais pas combien il y en a à la maison, mais attends, faut faire... L'objectif dit 50 TNT, moi ça me paraît vraiment... Ça me paraît vraiment relou. Ça paraît beaucoup, hein, 50. Ça me paraît vraiment relou. Faisons-en. Pardon. Excusez-moi. Faisons-en, un maximum. Oui, faisons-en. Voilà. Déjà, si on arrive à en faire une trentaine, tu vas acheter une vignette? Oui, parce qu'en fait, Magic m'a envoyé ma vignette, je me trouve particulièrement beau gosse dessus. Allez! Qu'il a mis, donc. Voilà, si jamais c'est mon Zelda épisode 14 qui arrivera bientôt, vous pourrez me dire dans les commentaires si c'était vrai ou pas. Ben, d'accord. Ça se passe bien, et Zelda, tout est tranquille. T'en es où? J'ai fini, moi, de mon côté. Ah oui, mais toi, t'as tout. J'ai tout record. C'est-à-dire, quand l'épisode 1 est sorti, l'épisode final était enregistré. Ouais, d'accord. Ah! Waouh! Putain, mais. Tu l'as eu? Bah oui, mais ça va pas. Bah j'ai pas fait exprès, j'ai tapé et puis... Ok, j'ai voilà, eu deux poudres en plus, super. Bon bah... C'est bon, ce jeu est toujours un chef-d'œuvre, tatatitatata, c'est ça? Wind Waker, ouais. Oh, tu sais le sujet de conversation qu'on pourrait discuter? Vas-y, dis-moi est-ce tout. Est-ce que tu as vu passer le jeu que je préfère, le jeu que sur côté? Ah, sur côté... Alors, oui, j'ai vu passer. Je me suis fait insulter. Ah, encore un bitch! J'aimerais bien avoir ton avis, tiens. Je t'entends laguer un petit peu. Alors, mon avis, c'est que j'ai voulu relancer un petit peu le drame en mettant... Parce que t'avais mis sur côté... Ah non, mais je parle de ton truc. Je parle de ton top à toi. Oh, mon top à moi, tu sais, j'aurais du mal à... On va venir, je vais le chercher. Non, mais continuez votre vie, je vais vous poser les questions une à une. Ok, très bien. Mais je risque d'ajouter du drama au drama. Mais vas-y, après, c'est pas grave. Ah oui, mais je sais que t'es d'accord avec moi dans le fond, toi, en tout cas, c'est individu. je crois. Alors, le jeu que tu détestes? Bah, je vais être relou, mais je peux pas te dire, puisque les jeux que je déteste, en général, je les joue pas. Mais y'a pas des jeux que ça te saoule d'entendre parler ou ce genre de choses, tu vois? Y'a bien un jeu que ça te saoule, des fois, quand on t'en parle? Ouais, attends, je fais un peu... Moi, j'ai mis League of Legends. J'aurais du mal à répondre, tu vois, j'ai envie de te dire un peu Fortnite parce qu'on en entend beaucoup parler et que ça me saoule un peu. Mais okay. Bon, il est pas dégueu, enfin Ah mais il est pas dit le jeu dégueu, le jeu que tu détestes, c'est subjectif. Hein.
Je trouve ça un peu trop facile de taper sur Fortnite. C'est comme les gens qui disent « Ah, je déteste le foot », tu vois. Genre, Mais Fortnite, il y a beaucoup de gens qui l'ont mis un surcoté. Pour moi, c'est un peu trop facile. Mais ouais, ok, je suis d'accord avec toi. Bon, très bien. Bon, du coup, le jeu surcoté, tiens. Eh ben, c'est là que j'ai rajouté du drama en mettant Life is Strange. Ah, merci! Puisque je trouve que... Bah, en fait, à la base, il est pas forcément surcoté, mais à force de tout le temps dire « Mais si, il est génial, nanana, vous le surcotez. Vous merci. Le mettez à chaque fois, vous le mettez de plus en plus haut tous les jours. Tu sais que j'ai 170 réponses à mon tweet, et sur les 170 réponses, il y en a au moins 100, c'est des mecs qui ragent pour Life is Strange, voire qui m'insultent, parce que j'ai osé. En fait, je crois que les gens ne comprennent pas le concept de surcoté. Surcoté ne veut pas dire mauvais. Surcoté, c'est qui est au-dessus de sa valeur réelle. Pour moi, je mets Life is Strange en surcoté. Pourquoi ? Pour moi, Life is Strange est un très bon jeu, mais ça s'arrête là. Ce n'est pas un jeu incroyable, comme j'entends toujours, c'est pas le jeu du siècle. Je suis d'accord. Merci. Et là, aujourd'hui, en fait... les gens n'arrêtent pas, justement, avec Life is Strange 2, tout le temps me dire « Alors, vas-y, ça va être génial, Max, Chloé, tout ça. » Mais putain, les gens, doucement, déjà, Max et Chloé, s'il vous plaît, au placard, c'est fini. Déjà. C'était excellent, on a passé un excellent moment, mais La relou au placard. Ah, c'est pas forcément mon avis, mais je sais que l'histoire est terminée. On passe à autre chose. Bien sûr, je suis d'accord. Ok, Life is Strange, très bien, moi je suis 100% d'accord avec toi. Le jeu sous-côté, tiens. Sous-côté, alors tu me prends de court, mais je suis sûr que je peux trouver quelque chose. Est-ce que tu veux le mien d'abord ou ça risque de t'ennuyer hein? T'avais dit quoi toi parce que... Moi j'ai mis Alice. J'ai hésité avec The Last Guardian ou Ori. Non, The Last Guardian, je l'aurais. Alors oui, moi en sachant aussi que j'ai fait dans les 90% des trucs que j'ai mis dans ce top, dans ce truc, c'est que j'ai mis des jeux assez récents ou que j'avais fait sur ma chaîne pour que ça parle à des gens. Parce que sinon, j'aurais pu te dire Sonic 2 pour plein de trucs, tu vois, mais j'étais en mode, bon, ça va pas parler aux plus jeunes et tout. Je vais partir d'ici parce qu'il y a pas masse de mobs là et j'arrête pas de tuer les creeps. Attends, il y en a un là-haut. Et du coup, moi j'ai mis Alice, ouais. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas répondu à ce tweet parce que je suis trop relou avec ce genre de choses. C'est comme les gens qui n'arrêtent pas de me demander qu'est-ce que tu préfères. Ah, il y a trop de choses à prendre en compte, j'arriverai jamais à décider. Eh oui. J'ai un peu envie de mettre WoW par rapport aux gens de ma chaîne, tu vois. Parce que je trouve que les gens ne font pas l'effort de s'y intéresser et je le comprends aussi parce que c'est un monument. Il y a tellement de choses que tu te dis, oh, il y a trop de trucs, je comprends rien. Non. Et du coup, il ne s'y intéresse pas, il ne l'apprécie pas, et je pense que ça devrait. C'est un pilier du jeu, WoW, quand même. Bah, on est d'accord, mais après, voilà, ça, c'est... Chacun, hein. Mm-mm. Chacun fait son petit truc comme il l'entend. Oui. Okay, très bien, le jeu que tu adores. Alors, j'ai pas répété WoW. Bah voilà, moi je l'ai mis là, WoW. Il faut bien caler ses cartouches. Mm-hmm. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que j'adore comme jeu? Qu'est-ce que tu adores? Ah bah Overwatch? Ouais, non, c'est pas comme ça que je le mettrais. Je pense que je mettrais un vieux FF. Ok. Peut-être FF 8. Très bien. J'ai l'impression d'être dans les grottes d'FK là, mec. Ouais, il y a de ça. Ok, FF 8, le jeu qui a le plus de flow, là tu vas mettre Overwatch. Non, qu'est-ce que ça veut dire le flow déjà? Le flow, c'est qu'il y a... Ouais, la définition est large. Pour moi, le flow, c'est genre qu'il y a du style, qui est stylé. Qui dégage un truc. Alors peut-être que pour moi, tu vois, il dégage un truc. Merde, j'ai plus de pioche. Peut-être que la série Kingdom Hearts en adore et FF8 que en flow, tu vois, parce que pour moi c'était mon premier FF, donc c'est pour ça, tu vois, il y a le côté nostalgique, c'est vraiment très personnel. Alors je vais te dire exactement la définition d'avoir du flow. J'ai cru avoir un autre creep là. Le flow, le ciel. Ah mais le flow de base c'est attends. C'est trop vague, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas répondu. Mais en fait, de base, le flow, c'est plus un truc musical, je crois, au tout début. Mais ça a dérivé maintenant, il me semble. Moi, j'ai mis The Last of Us, un jeu que tu connais bien. Mm-hmm. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprenais pas la définition du flow, je ne peux répondre. Très bien. Alors que tu aimes en secret. Alors que j'aime en secret, ça peut être plus intéressant. Alors pour moi, c'est un truc un peu pas honteux, mais tu vois, un truc un peu en oui, mode... Oui, voilà, plaisir coupable. On dit pas. Oui, c'est ça, oh là, il y a plein de creep, là. Exactement, un plaisir coupable. J'aurais pu mettre Cochon Land, d'ailleurs. Mais c'est pas un vrai jeu, tu vois, c'est un site de gestion de... Mais il y a de ça. Ok, Cochon Land. Moi, j'ai mis Animal Crossing.
Ah, ça, j'aime pas. J'aime bien Animal Crossing. Bah, c'est un peu subjectif, parce que je sais même pas jouer. Mais il m'attire pas. Très bien. Et le greatest of all time. Le meilleur de tous les temps. Mm-hmm. Moi, j'ai mis la saga Zelda. Ouais, c'était ouais, je me doute que t'as mis quelque chose comme ça. Oh, je suis là. Mon greatest of all time. Yeah. Attention, alors on va peut-être savoir le jeu préféré de la brioche. Non, non, mais... Techniquement, c'est WoW, mais... Bah, c'est pas... C'est trop... Il y a trop de trucs à prendre en compte. Tu vois, ce que j'aime dans WoW, c'est pas ce que j'aime dans Life is Strange, c'est pas ce que j'aime dans Cash. On est d'accord, mais bien sûr, je suis d'accord, c'est impossible, mais... C'est pour ça qu'après, on a fait des sous-catégories. Moi, j'ai fait la sous-catégorie Pokémon et la sous-catégorie Zelda derrière. Ouais. Mais... Ouais, je vois, mais... Donc tu sais pas. Je peut-être que ce serait un FF, encore une fois. D'accord. Et ce serait peut-être... ce serait peut-être FF10. Mais c'est ceux qui m'ont fait ressentir le plus de trucs, tu vois, quand j'ai joué, donc c'est... Ouais, non, mais bien sûr, je comprends. Très bien. Eh bien, écoute. Moi, ça me paraît bien. Je fais mon tunnel. Après, dans les Zelda, malheureusement, je les ai pas tous faits, donc je peux pas... Ah, tu veux que je te dise mon petit top Zelda pour rester d'accord avec moi, rapidement? Attends. Ouais. Alors, le jeu Zelda que je déteste, entre guillemets, déteste, bien sûr, parce que bon, je les aime tous. Que j'aime le moins, quoi. J'ai mis Between Worlds. Parce que Between Worlds, pour moi, il a un syndrome Pokémon Diamant et Perle à cause de YouTube. But, dans le sens où tout le monde me réclame ce jeu, alors que je le trouve personnellement, c'est mon avis, mais je le trouve pas si ouf que ça par rapport à tous les autres Zelda 2D, par rapport aux trois quarts des Zelda 2D. Oh, les plus anciens, ils étaient ouf. Hein. Voilà. Mais parce que c'est le plus récent et que beaucoup de jeunes ont connu celui-là, ils me disent « Ah, il est trop bien, fais-le !» Mais non, genre, en plus, je me sens raté, un peu harcelé par celui-là. Mm-hmm, ouais. Et c'est un peu, j'ai le même syndrome sur Pokémon où il y a beaucoup de gens dans ma communauté qui adorent la quatrième génération alors que, parce qu'ils ont démarré sur celle-là. Ouais, voilà. Alors pour moi, c'est clairement la moins bonne. Mais bon, ça, c'est un débat. Sur côté, j'ai mis Breath of the Wild, malgré tout. Parce que je pense qu'il a quand même des défauts et que moi, le premier, on l'a rendu vraiment trop parfait très vite. Mm-hmm. Donc voilà. Sous-côté, j'ai mis Majora's Mask, ça me semble assez évident. Ah, ça, je suis d'accord. Dans l'ombre d'Ocarina of Time. Que j'adore, mais ça, c'est à titre perso, j'ai mis Wind Waker, parce que je trouve qu'il est très vacances, tu sais, relaxant. T'as pas un... Oh ah, t'avais pas un arc par hasard pour tirer sur celui qui est si, sur son pilier, si, là si. Ah, si, j'en ai un aussi. Il est là. Oui, là. Qui a le plus de flow, j'ai mis Zelda TP, à cause du loup et tout, enfin, je le trouve trop stylé. Et le meilleur, Ocarina of Time. Ouais, et là, j'ai vu que les gens... Quoi, Ocarina of Time? Mais il est super vieux. Alors? Ouais, non, mais alors, les gens... Pour ce qu'il a apporté en son temps. Mais bien sûr, il faut toujours replacer le jeu dans ce contexte. Mais ouais, parce que des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, mais il a vieilli. » Je suis « Non, mais attends, mais... » Il a vieilli, mais... Déjà, fait Kingdom Hearts 1, et tu verras ce que c'est, un jeu qui a vieilli, mais... Pardon, je suis désolé, un petit plaisir coupable qui a ressurgi. Mais, non, ah, non, tu non, sais, mais... pour Cash, je sais que tout le monde... Parce que je regardais un petit peu tes lives... les rediffs ou quoi, enfin je regardais un petit peu comment tu t'en sortais, et je vois tout le temps ce refrain qui revient, non mais Cash, hein, il est chiant, c'est de corriger après. Oui mais c'est le premier. Bah ouais, mais enfin personnellement, il m'a jamais dérangé Cash, hein, en fait. Oh putain. D'accord, ok, bon bah c'est ton droit. Hein. Ah ouais, non mais je l'aime bien. Là-haut, au-dessus. Et tiens, vas-y, quel est, par rapport à Pokémon, toi, t'as fait jusqu'à quelle version Pokémon? Ah, j'ai fait que 3 versions, hein. 3 gens. Pour moi, la quatrième gen, c'est vraiment celle qui est en dessous. Mais j'ai des bonnes raisons. C'est pas que un côté. Il y a pas que un côté les abonnés qui me harcèlent avec cette génération-là. Mm-hmm. Pour moi, elle est clairement en dessous parce qu'en fait, c'est clairement une génération qui. En fait, pour moi, la première génération, bon bah, c'est la première, c'est instauré Pokémon. Ça a beau être moins bien que les plus récentes, maintenant, c'est la première, tu vois. Enfin, genre, elle est culte pour moi. Mm-hmm. Ça. Pour moi, la deuxième, c'est clairement la plus ouf. Avec les deux régions, tout ça. Pour moi, c'est la meilleure ever, la deuxième. Bah, dans la deuxième gen, t'as carrément la première incluse. Voilà, quoi, c'est donc ça. C'est ça. Donc, en fait, on passe le jeu qui a tout instauré, et ensuite, le meilleur jeu de la licence, à mes yeux. Hein. Mm-hmm. Ensuite, on passe sur la troisième. Pour moi, la troisième génération, c'est un peu spécial, parce qu'elle change pas énormément de la première et de la deuxième, même si elle apporte quand même plein de nouveautés. Hein. Mais je trouve qu'elle a un truc, justement, elle a du flow, entre guillemets, on parlait de flow, je trouve qu'elle a un truc, elle a une ambiance qui se dégage vraiment de cette génération qui est, je trouve, assez unique. Je saurais pas te dire pourquoi, mais la troisième, pour moi, elle a toujours été un peu à part. Hein, genre, je vais me taper à la maison, j'ai plus de bouffe et je perds de la vie. Hein. J'ai de la bouffe, hein, si tu veux. Bah, ouais. Tiens. Donc voilà.
Et ensuite vient la quatrième, qui est un bon jeu, mais qui, si tu veux, en fait, se situe entre la troisième et la cinquième. Et en fait, la cinquième ensuite. Alors, la quatrième, c'était le premier jeu sur DS. C'est le seul truc qui, pour moi, fait que voilà, il y avait une évolution graphique et tout, c'est vrai. Mais hormis ça, derrière, t'as la cinquième qui arrive en mode. Graphiquement, c'était différent, certains n'ont pas aimé, mais en termes de scénario, je la trouve géniale, Noir et Blanc et Noir et Blanc 2. Et ensuite, tu as la sixième qui est ouf en termes de révolution graphique et tout, et la septième qui est, je trouve, très sympa dans son style, qui change avec les îles, etc. En fait, si tu veux, pour moi, la quatrième, elle est très bien, mais elle est pas qu'elle est en trop, mais pour moi, c'est trop une 3 bis ou une 1, 2, 3 bis, tu vois, c'est un peu trop pareil. Ouais. Le scénar évolue pas de ouf par rapport à la cinquième, mais ça fait un peu trop réchauffer 1, 2, 3 pour moi. Il y a des nouveautés et tout, mais je la trouve un peu... Elle est très cool, mais elle est un peu là pour être là, mais elle révolutionne rien en fait pour moi. Ouais, tu vois. D'accord. Si ce n'est un peu graphiquement, effectivement, c'est le premier jeu sur 3D, sur DS. Mais globalement, je sais pas. Mais à l'époque où c'était sorti, j'étais comme un ouf et je l'aime beaucoup. Hein. Mais par rapport aux autres, je sais pas. Je la trouve en dessous. Voilà. Et je la trouve effectivement surcotée par rapport à tout ce que les gens en font sur Internet. Je trouve. Ouais. Après, c'est mon avis purement personnel. Je vois. Bah, tu sais, j'ai pas beaucoup d'avis. J'aime beaucoup la première et la deuxième. Après. J'ai moins accroché parce que ça ressemblait tout le temps un peu à la même chose. Tu vois, j'ai une question. Je rêve ou pour la première fois de la série, on vient de parler de gaming sur une chaîne de gaming. C'est fou, hein. C'est complètement fou. C'est dingue tout cela. Oh là là. Tiens, t'as combien de guns? Attends, je vais tuer un creeper et je vais te dire ça. J'en ai 18. Ça reste pas la folie, 18 quoi. T'en as combien toi? 22 maintenant. 22, donc ça nous en fait 40. Et en tout, il y en a combien à la maison? Attends, je me TP. Bah, il y en a plus, mais on avait crafté les TNT. En gros, il nous en fallait 250 en tout. Ouah, non, mais ça va pas le faire. Hein. Ouais, je pense que ça va pas le faire, effectivement. Effectivement, Jean-Jean. On est à la fin de l'épisode, là, non? Ouais. Ta cam a dû couper, je pense. Ouais, mais j'y ai pensé. Ah, mais attends, j'ai tellement de flow maintenant. Ok, il y en a 11... Tu vas en faire une ou deux. Je te propose qu'au lieu de 50, on en fasse 20 et je trouve que c'est pas mal. Ça fait ça veut dire qu'on va farmer encore un petit peu la prochaine fois. J'ai du sable là. Attends, passe-moi la gunpowder. Passe-moi la tienne. Il m'en reste deux. Tiens. T'as fait tes TNT déjà ou pas? Ouais, elles sont posées tout en haut. Parce que 50, c'est un peu déconnant, je trouve. Je vais tuer quelques vaches. Je suis assez d'accord. Ah, tu tues la vache à l'envers là. J'en ai 4 en plus. Ok, bah on faudra farmer encore un petit peu. Elles sont où? Tout en haut. Ça, tout... Donc, il y en a 11, il y en a 15. Ok, bah il nous faudra encore 25 gunpowder et on sera bon. Ok, je vais faire... Ah mais c'est vrai, j'avais perdu les livres que j'avais fait. Oh, ça m'avait saoulé ça. Oh, je sens que ça va revenir en game mode. Combien j'en avais? Je regarderai dans l'épisode. Ça m'a saoulé de les avoir perdus. Parce que là, il nous manque des biblios pour l'objectouf. Ah oui, c'est vrai, les fameux objectouf. L'objectouf, c'était 34. Ouais. Donc, ouais, peut-être qu'on y arrivera la prochaine fois. Combien on a de lapis lazuli? Le lapis lazuli, El Famoso. Je sais pas. Oh là, je vois 100 et quelques. Faudrait qu'on en farme un tout petit peu. Ah non, il y a 164. Non, c'est bon. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut, c'est bon, on est bien. Ouais. Par contre, émeraude, il en faudrait 100. Et ça me paraît bizarre. Ah. Tu m'avais dit qu'il fallait booster les PNJ, mais... Non, pas booster, mais genre juste faire des trails avec les PNJ. C'est ce qui... À moins qu'il y ait vraiment... Faudrait qu'on regarde en termes... Tu vois, là, on est dans un biome océan. Faudrait qu'on essaie de trouver éventuellement un biome... Ouais, mais 100, ça me paraît énorme. Le truc des montagnes. Colline, là, ouais. Ouais, enfin, là, l'endroit où il y a les émeraudes. Je sais plus trop quoi, ouais. Je sais plus jouer, moi, c'est vrai. Ah bah, moi non plus. Mais bon, même ça, c'est vachement aléatoire. Alors que les villageois, si on trouve un trade qui va vite... ok. Est-ce qu'on regarde vite fait quel trade on peut faire, sans forcément le faire, mais regardez ce que les PNJ proposent. Ouais, par contre, j'ai un doute sur un truc, je sais plus. Est-ce qu'il n'y a pas un délire du genre, quand t'as trop de trade avec un villageois, tu peux plus trade? Alors là, j'en ai aucune idée, je le fais jamais. Je sais plus. Attends, on va regarder ce qu'il y a de faisable. Là, il y a 20 strings. C'est beaucoup, 20 strings. Bah, on n'avait pas une usine araignée? Si, c'est vrai. Avec une looting. Oui, c'est vrai. Mais on l'a perdu, la looting. Lui, il veut 40 rotten flèches ou 8 d'or. Tu vois, 40 rotten flèches, ça se fait. Hein. 23 calls, 22 calls. 19 calls. Ici.
Ouais, ça Lui, peut il veut se faire, quoi? peut-être. 20 strings aussi et 23 calls. Ah, tu vois, ça se fait, hein. 17 porcs, 16 poulets. 16, ouais, 16 ici. Et 18 quand horizontaux. tu le fais, ça... Ça débloque d'autres échanges, je crois. Mais je sais pas si tu peux le refaire indéfiniment. Il y a 8 lingots d'or là. 8 lingots d'or. Bon, Ouais. voilà, y a des trucs, quoi. Ouais, ça doit pouvoir se faire. Je Ouais, il récupérerai faut. du fil. Du fil, on peut en avoir, hein. Ouais. Ok. Écoute, faisons ça pour enfin, pour la prochaine fois. La prochaine fois, on terminera le farm de creep et on fera les émeraudes. Et du coup, théoriquement aussi. Qu'est-ce qui s'est arrivé à cette petite maisonnée? Mais c'est toi qui l'avais cassé pour prendre du bois. Oh là là, j'ai l'impression que c'était une éternité. Et puis on finira les Merde. biblios. Voilà. Terminons là. Elle n'y a plus de traces. Je suis en cours. Attends, mais c'est bien long à casser une porte. Ah là, c'est bon. Merde, merde! Oh, le PNJ qui s'est mis devant m'a empêché de faire le truc! Apprendra. Attends, 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 attends! J'ai tout mon stuff et 50 000 niveaux! Une balle entre les deux yeux. C'est quoi 50 000 niveaux? 16. Ouais. Bon, allez, 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 partez donc à la Gamescom, là, me saoulez pas. Ah ouais, c'est vrai, la fameuse. Bah, au moment où ça Voilà. sortira, je serai rentré en fait, mais. Et voilà. J'aurais peut-être joué à Life is Strange 2 d'ailleurs. Oh là là! MDR! Oh là là! Allez! Salut! Et comme d'habitude, depuis maintenant quelques semaines, n'oubliez pas que je suis partenaire avec le site g2a.com sur lequel vous pouvez obtenir des jeux à des prix très cool, notamment avec mon petit code de réduction Super Brioche qui permet d'obtenir 3% supplémentaires sur votre commande. Voilà, c'est tout. Bisous bisous.